showbiz, je l'ai dans la peau, je l'ai dans les jambes aussi. On s'est rendu compte aussitôt que j'étais embarqué sur un stage. Grand film policier avec Denise Filiatro. Ils cherchent de nouveaux talents. Alors pourquoi pas moi? Moi, ce qu'il me faut, c'est la spiritualité. Et sœurs, mes sœurs, le ciel exauce nos prières. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. À quelle heure, le punch? Avez-vous une idée? Ben non, pour une fois, j'en ai pas d'idée. Moi, j'en ai marre. Je vais aller me reposer à la mer. Je vais faire des croisières. Dans de grands bateaux pour voir des grands oiseaux tout blancs. Parce que je peux voir, il n'y a rien que moi qui sais rien faire. Ah, mais qu'est-ce que tu veux, Jeannette? C'est la télévision qui fait ça. Ce qu'il faut, c'est être naturel puis avoir de la présence. Tcha, tcha, tcha. Nous autres, on l'appelle Madame F. Ben moi, je l'appelle Filiope. La marathonienne. La galant jaune. Ben moi, les traîneries sympathiques à convaincre-le. Les étranges vont venir ici puis ils vont dire que je suis une salope. La méchante femme. T'es pas bitch à peu près, elle? Venez, j'avais insondable. Disons que je suis une fée. Entière. C'est incroyable. Il me priverait une fois que je vais baiser de Dieu, je pense. C'est une comédie de situation. C'est l'énergie. Et c'est une source de courant. Force de vie. Attends, d'habitude, d'être assis, elle a son grand bâton, elle dirige les autres, hein? C'est l'enfer. Mon Dieu, c'est pas nécessaire de monter sur tes grands chevaux. Elle a un tempérament bouillonnant. Bouilloire de passion. Ah! Abrasse. Ah, elle crie. Je l'exige et je l'aurai. Elle est impatiente, que c'est épouvantable. Oh, la grand langue. D'une impatience, là. Au fond, on veut pas être vivable. Elle veut toujours aller vite, elle veut toujours faire vite, plus vite que son ombre. C'est fou ce qu'on peut faire là, des fois quand on est sur une nappe. C'est un coup de vent, c'est un tourbillon. Une tornade. C'est un ouragan. Le film Twister. Cette femme-là est une fusée, je devrais dire, une étoile filante. Lola Liu Filiatro. Il y a des jours où je ne sais plus si je suis mieux dans ma cour, dans la vie ou dans les flux. Je suis partie de rien. Moi, mais oui, je suis partie comme chanteuse de cabaret pour monter jusqu'à ce que je suis aujourd'hui, qui est quand même pas si mal. Moi, quand je fais mon numéro, je voudrais que tout le monde se reconnaisse. Moi, mon chant, c'est ma vie, c'est ma vie, c'est mon chant. Denise, elle pensait beaucoup à ça, à être actrice. C'était dans elle, hein? C'était dans son idée, ça. C'était une petite fille à part des autres, je trouve. Comment ça? Ben à part des autres, parce que nous autres, on pensait moins à ça. Danser, puis chanter, puis rêver à ça comme elle. J'ai eu la chance d'être adoptée par ces gens merveilleux qui m'ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Une jeunesse dorée. C'était un coup, un choc terrible. Vers l'âge de 6-7 ans, quand j'ai commencé à aller à l'école, de voir que tout le monde n'était pas bon, franc, sain, sincère, comme mes parents. Et c'était quand même pour moi, une base solide dans la vie. J'allais chez les sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Les bonnes sœurs, ça me parlait fort, je pleurais pas, mais ça me parlait doucement, je me mettais à pleurer. Je pleurais tout le temps. Mais j'avais un autre côté tellement farfelu que mon côté farfelu l'a embarqué sur mon côté braillard. J'étais un petit peu indiscipliné. J'étais le petit diable de la classe. Ça, j'avais du fun. Moi, les bonnes sœurs ont été patientes. Moi, j'avais hâte d'en sortir pour aller... pour faire ma vie double. Je voulais grandir vite. Pas parce que j'étais pas bien. J'étais bien, j'étais heureuse, mais j'avais hâte. J'étais impatiente de voir le monde. Quartier Guilford, c'était un petit patelin où tout le monde se connaissait, tout le monde se parlait. J'avais une bande d'amis avec qui j'avais beaucoup de plaisir. J'organisatrice des fois à l'époque, je me suis offert des séances. J'organisais la procession de la Saint-Jean-Baptiste. Je faisais des séances dans ma cour. Je montais les pièces à Comtesse de Ségur. Je faisais la mise en scène. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais je faisais la mise en scène. C'est nous autres, les actrices. Puis là, elle nous donnait nos rôles. Toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas dire ci, puis toi, tu vas dire ça. Je jouais, je disais mon texte, je me retournais, puis j'engueulais les petites filles parce qu'elles riaient. Là, je choquais, hein? Tu vas recommencer tant que tu l'auras pas, puis t'es mauvaise.
Ma mère sortait les rideaux, puis faisait des beaux rideaux de scène, parce qu'on se cachait derrière les rideaux, parce qu'une pièce de théâtre, pas de rideaux à l'époque, le décor n'était pas à vue. Oh mon, c'était merveilleuse. Puis là, elle organisait tout ça, hein, la scène, là, avec des décors, puis tout ça. Elle faisait tout. De toute façon, comment qu'on aurait voulu y aider? Non, c'est elle qui le faisait. Et puis les enfants, moi, je leur chargeais 2 sous. J'avais des petites chaises berceuses, 2 sous. Les petites chaises droites, c'était 1 sou. Quand c'était fini, Denise, elle comptait son argent. Puis quand elle en avait assez, elle nous a emmenés au restaurant chez Godin, le petit restaurant du coin, manger une patate frite. Bien, tout le monde était content. À l'entracte, je venais danser le tap dance. Je venais chanter, puis je venais danser le tap dance. Parce que j'apprenais ça au cinéma américain que je voyais dans le sous-bâtiment de l'église protestante en face de chez moi. Tous les vendredis soirs, il y avait du cinéma. On nous montrait des films de cowboys, des films musicaux. Oh, ça m'avait-tu impressionné? Je représente les années 30. Le tap dance était roi en ce temps-là. Spectacle mania. J'étais l'idole. J'étais allé chez le cordonnier du coin. Qui m'avait posé des fers à mes souliers, puis là, je m'en ai sur la rue, clac, 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 clac. Toutes les poupées s'appelaient Charlie, et toutes les mamans traitaient leurs enfants, même Christian. Ben, ma mère, elle disait, Denise, c'est notre Shirley Temple de la rue Cartier. Au départ, j'aurais voulu devenir ballerine. Mon Dieu, j'essayais de danser sur les pointes, sans savoir que, pauvre petite fille, il me fallait des chaussons... à bout dur, je me cassais toutes les orteils. Aujourd'hui encore, d'ailleurs, j'ai les doigts de pied rangés tout croche à cause de ça. Et je dansais toute seule dans le salon, mais il fallait pas que ma mère me voie parce que j'étais gênée. Non, mais tu veux, Dominique? Mais laisse-moi mourir tranquille. Moi, je veux devenir ballerine. Mais comme je vous dis, c'était des études, c'était loin de nous. C'était loin du milieu dans lequel j'ai été élevée. C'était presque inaccessible. Dis bonjour au monde. Au 15 sous, sur la rue Mont-Royal, il y avait une pianiste qui chantait puis jouait des chansons. Hey, c'est pas d'hier, ça. Puis là, j'allais acheter les chansons, je les apprenais avec elle au piano dans le magasin où on écoutait les disques à la radio. Et puis, bon, ben, j'ai dit, si je chante, ça va être plus facile d'accéder à ce métier-là. Monsieur Filiatro, il était policier. Avec lui, ça faisait pas son affaire, hein? Il voulait pas. Mais Madame Filiatro faisait des cachettes avec Denise. Papa était contre ça. C'était pas bien vu, vous savez. Faire ce métier-là, pour une petite fille de ma génération, pour une femme de ma génération, à l'époque, quand on était enfant, c'était pas bien vu. On a une actrice. Ça faisait pas longtemps que les curés en chaire disaient qu'elle serait excommuniée. Elle voulait tellement ça. Elle voulait tellement. C'était son domaine. Elle voulait aller dans ça. Je veux arriver. Non. Et avancer très vite. Ah oui, j'avais un front de bœuf, comme on dit. Oui, c'est sûr. Peut-être parce que je m'en rendais pas compte. Peut-être par ignorance. Peut-être parce que c'était dans mes gènes. Peut-être parce que j'avais beaucoup d'assurance à cause d'éducation, à cause de l'amour que j'avais eu. Hein, où on me disait chez nous que j'avais vraiment du talent. Que j'étais bonne. Ma mère me soutenait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors peut-être que ça a fait, ou que c'était peut-être dans ma nature de foncer les portes. Toujours pour avoir cette envie, cette liberté de faire ce que je voudrais, quand je voudrais, comme je le voudrais. Ce soir, je voudrais oublier Music Maestro Flea. C'est évident, c'était des années dures, mais pour tout le monde de ma génération qui ont dû gagner leur vie à cette époque-là, tout est à faire ici. C'était l'époque de la chansonnette, on chantait de la chansonnette française. On était des diseuses et non pas des chanteuses. En ce temps-là, la vie était si belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je t'apparne. À quelle heure le pote, là, c'est vrai. Heureusement que les gens n'avaient pas beaucoup de canaux à zapper à l'époque parce qu'ils ont dû me zapper. Ils auraient dû me zapper vite. Je voulais venir au métier en chantant, mais j'étais vraiment pas une chanteuse. Et puis surtout, tellement pas vraie, tellement pas naturelle, très comme ça, parce que c'était la mode. Mon Dieu, qu'on était colonisés. Quand je vois ça, là, je trouve ça effrayant. J'ai honte de voir ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu veux? Je pense que l'excuse était ma jeunesse. Quand on s'est connu, il m'a tout juste dit... Salut! Eh ben... J'ai eu la
chance de rencontrer Jacques Lorrain, qui est devenu mon mari, qui m'a appris mon métier, qui m'a apporté une culture, qui m'a ouvert des horizons, qui m'a fait voyager, qui a été pour moi vraiment un Pygmalion. Qui m'a appris l'amour du métier, l'amour du théâtre encore plus approfondi, qui m'a tout appris, quoi. Ça, j'avoue que je lui dois beaucoup. Mais il ajouta... Oh, excusez-moi, j'attends Irma. Ça alors, ne perds pas moi, alors que je l'aimais déjà. Son ex-mari, Jacques Lorrain, nous a fait nous rencontrer, a monté une revue. On a commencé à travailler ensemble, à répéter, puis ça a cliqué tout de suite. Puis après, bon, on s'est plus jamais lâché, le reste est de l'anecdote. Vive les vacances, la 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 la, la 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 vente, quoi 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 quoi. Vive les vacances, la 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 la, la 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 vente, quoi 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 quoi. J'étais leur pianiste, Denise et Dodo. On faisait des... Excusez-moi, des trous. Carrément, ça a été dure école, hein, pour ces deux dames et moi par la même occasion. Remarquez, moi j'étais en retrait, je jouais du piano. Alors, hein, mais les bouteilles de bière, quand même, ça nous passait des fois devant la... Ça a été dure école, mais on apprend bien, on apprend très vite. On apprenait notre métier, mais on ne pouvait pas aimer faire ça. Ça se peut pas que tu aimes chanter devant des gens qui ne t'écoutent pas, qui parlent tout le temps, qui se saoulent. C'est dégradant, c'est humiliant. Et c'est avilissant. Il y a pleine lune ce soir, et les amoureux sont... J'ai eu le trac, bien sûr, comme tout le monde. Mais moi, mon trac faisait que je me crispais les orteils. Alors, j'avais toujours les bouts des orteils pliés, puis comme beaucoup de chanteurs aussi, plus de salive. Et comme j'avais pas beaucoup de voix, c'était pas évident de finir la toune. Je pourrais pas dire que ça a été une merveilleuse chanteuse, mais elle se débrouillait très bien parce qu'elle bougeait bien. Alors plus ça allait, plus je me raffinais. J'avais duré, j'avais quand même quelque chose. Je n'étais pas complètement nul. Puis j'avais la beauté d'une fille de 19 ans. Qu'est-ce que tu veux, t'es, hein? Bon, 19 ans, t'es jolie. Bon, mais ça me donnait une certaine assurance. Denise, elle, était plus intéressante parce qu'elle était grande, mince, avait une bonne poitrine, petite taille, belle femme. On dit que c'est des belles grand-bêtes, elle reste pas trop bête, c'est vrai. Très souvent, elle me demandait de la remplacer, ça nous donnait 10 $, je pense. Alors, j'allais la remplacer, puis là, le propriétaire disait, là, tu me l'envoies plus, là, elle. Parce que ça marche pas, les gars, ils aiment pas ça, ils aiment des filles avec un peu plus plantureuses qu'elle. On est grêté comme des barbus. Ne porte pas pour poignet. Comme nos vieux 45 tours sont plus au bout du jour. On a pensé les rapailler sur un beau trottoir tout. Je sais pas comment c'est que je faisais des disques. C'était une mode. Dominique aussi faisait des disques. Et pourtant, Dieu sait qu'on n'était pas des chanteuses, mais on ne demandait pas beaucoup de vos filles de chanter. C'est quand on entend les petites aujourd'hui comment elles chantent. Parle-moi pas de la jeunesse d'aujourd'hui. J'imagine qu'on peut marier tenue ferme et allure saine. Changer pour le fixatif Pantene avec Elastess, notre ingrédient fixateur souple. Certains fixatifs peuvent être collants. Ce Pantene maintient sans tout cet effet collant. Essayez ce fixatif Pantene avec Elastess. L'imagination de Disney se déchaîne. Vous pourriez gagner l'un des 10 voyages pour 4 personnes vers Disney's Animal Kingdom. Vol gracieux de vacances signature. Vivez la magie, les palpitations et l'aventure. Voyez l'étalage des magasins participants. Hey, c'est drôle. La grande fille veut être la fille cute. La fille cute veut être la romantique. La romantique veut être la fille d'à côté. Et la fille d'à côté veut être tout sauf la fille d'à côté. Quel que soit ton style, au départ, il faut toujours une peau à l'allure saine. Noxzema aide, car il soulève la saleté, dissout l'huile et conditionne ta peau. Et moi, je peux être tout ça si je veux. Ton style commence par une peau d'allure saine, ton style commence par Noxzema, le propre des beaux visages. Vos amours s'en vont en haut, vos amours s'en vont en bas. Besoin de les attacher, pas envie de les laisser aller. Trop gêné pour les montrer, pas habillé pour les cacher. Vos amours se font-elles aller?
douceur pour plus de support. Fruit of the Loom. Des sous-vêtements très, très confortables. Quand j'étais petit, j'étais obsédé. Je voulais créer le biscuit parfait. Un biscuit rempli de chocolat. 45,5% de morceaux de chocolat dans un biscuit 100% beurre. Le voici, le biscuit le plus indécent. C'est pas dans mon bureau que je vous l'aurais créé. Le plus indécent. Exclusif à Provigo, Maxi, Maxi et compagnie. L'alimentation, on en mange. Il y a des jours où je changerais tout. Ma tête, ma couleur de cheveux. Et maintenant, avec le nouveau Nice and Easy, c'est facile. Vos cheveux ont l'air resplendissants de santé. C'est que le nouveau colorant crème Nice and Easy pénètre en profondeur en même temps que le revitalisant. Et il est tellement onctueux qu'il ne coule pas. Résultat, une couleur plus belle que jamais. Le nouveau Nice and Easy de Clairol, une couleur irrésistible, éclatante de santé. Attendez de voir mon chum. Depuis que les expos se sont installés au nouveau parc Labatt, la vie au centre-ville de Montréal n'est vraiment plus la même. Les expos au centre-ville, le retour de la fièvre du baseball à Montréal. Bah, moi, je la vois qui bouge. Je la vois pas en train de... comme le penseur de Rodin. C'est très active. Si vous voulez savoir ce qu'on fait ici, on vous l'explique. Quand le cabaret théâtre est arrivé avec Paul Berval, le bœuf qui rit en 55, je pense, en 55, 56, 57. Ah, oh, ça, c'était la joie, c'était le rêve. Je leur dis surtout, avant de faire votre coup, donnez-moi une chance. Moi, on m'avait dit, bon, ben, on va faire de la comédie maintenant, tu vas faire quelques petits sketchs. Au début, je voulais pas, je savais pas que je pouvais être drôle. Les gens étaient écroulés de rire, mais moi, je suis en rire, je suis pas si drôle que ça. Ben là, les rires, tu t'habitues à les entendre, puis ça te fait chaud au cœur, c'est tellement généreux. Des gens qui rient, c'est tellement merveilleux d'entendre des gens qui tu peux procurer cette sensation, mais c'est unique au monde. Je trouvais qu'elle avait du cran, pour pas dire du chien. Oh, quel Achille! Ce sont là vos façons de me prouver vos feux? Avant de se consumer, madame, on était ce qu'on fut. Berval est un merveilleux. Finis-là, bon sein, votre amour pour moi déborde. Oh, c'était fatal, Achille, j'étais au bout de ma corde. Ah. Rien que le regarder travailler. Les gens l'adoraient parce qu'on voyait qu'il était sincère, il était vrai. Quand il jouait des personnages, alors nous, on était influencés parce qu'on voyait la façon dont il les abordait, ces personnages-là, la façon dont il abordait le public. Ça nous impressionnait beaucoup, 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 Dominique et moi. Madame, c'est à vous de subir votre destin. Tue-moi sur le champ que je rejoigne Achille, qui même son fusil faisait bien plus viril. Et un jour, je me rappelle toujours, Denise dit à la troupe, avec Dodo, on a monté un petit sketch... La femme qui veut absolument que sa petite fille danse. J'espère que tu feras pas honte à maman. Hein? Oui, il nous achalait un peu, mais on disait, mais oui, mais on en fait des sketchs. Non, il voulait en faire un. Il voulait faire quelque chose toutes les deux. Il va mettre les petits gars. Il va être beau, les petits gars. Donne la menotte à maman. C'était un sketch hilarant. Elles l'ont fait d'ailleurs à plusieurs reprises après. La petite danse. Ils ont beaucoup de facilité à travailler ensemble. C'est étonnant. Dominique et Denise étaient à la naissance des bye-bye. Écoutez, mes amis, puisque nous sommes tous ensemble pour célébrer ce jour de l'an, vous allez tous vous joindre à nous et nous allons chanter ensemble. C'est dans le temps du jour de l'an. C'est dans le temps du jour de l'an. Un mur de mille a ravendu un musicien.
qu'est-ce que ce sera pour vous? L'homard. J'étais le bien vivant dans l'eau bouillante. Oui, madame. Très bien, Maxime, très, très bien. Et ensuite? Ensuite, de l'agneau. De l'agneau. Et comment le prenez-vous? Oh, mais très, très saignant. L'année s'achève, on se retrouve. Et plus d'une fois, j'en ai rêvé. On vous aime, on se redécouvre. Qu'est-ce que vous allez faire à Plattsburgh? Qu'est-ce que vous allez faire à Plattsburgh? Se baigner. Oui, on est allé se baigner. Un 13 décembre? Un 13 décembre? Mais oui, un 13 décembre, monsieur Lejeune. On n'est pas superstitieux. Non. J'ai toujours trouvé que Dominique, c'était plus une comique que moi, je l'étais comique. Si les gens m'ont trouvé drôle, tant mieux. Je suppose que vous allez me dire que tout ça, c'est tout le vieux linge de madame, ça. Mais avec Denise, travailler, Denise, c'est facile pour moi. C'est comme être dans ma cuisine, c'est très facile. Je me sens en sécurité. Puis elle aussi, je pense bien. Voyons, tu portes ça dans le temps de moi et l'autre. Ben, voyons donc, voyons. Toutes les deux, il y a une chimie. Il y a une chimie qui est là, qui est inséparable. Ça y est. Es-tu parti? Oui, ma belle. Eh bien, c'est parfait! On est réussi à acheter toute notre vie à linge! Ouais, c'était la meilleure façon de passer nos deux manteaux de bison! Yeah! C'est elle qui faisait la mode à Montréal avec ses jupes courtes et tout ça, là. Mais je veux dire, en plus, elles avaient de belles papates, ça ne gâte rien. Je vous propose une femme inouïe, comme l'on n'en fait plus, qui tout en étant très sexy, a toutes les vertus. On lançait la mode, je me rappelle que Dominique et moi, on se promenait en mini-jupe, les fossiles puis les perruques, bon ben. Je vais te faire des belles lèvres. On est là encore, Denis. Oui, oui. Bon, maintenant, pas comme ça. Bon. Joue tes blindes, blindes. Dodo, c'est la sœur, la petite sœur que j'ai pas vue, ça c'est évident. Attends, je suis belle, là. Oui, oui, juste un petit peu de poudre, parce que je t'ai mis un peu trop rouge ces joues. Vas-tu mettre du Maybelline? Non. Non, parce que t'as pas fait assez. Tu es trop jeune. Ça va te chauffer les yeux. Je dirais même que j'ai un côté maternel vis-à-vis elle. Des fois, je la considère sans s'en rendre compte. Comme ma fille. Maman, viens ici, là, secret. C'est beau, secret. Ça peut pas attendre une minute. Es-tu venue de la mère ou de la petite fille? Je sais pas, mais je sais qu'un soir, elle est tombée sur scène. Elle faisait une crise d'appendice et je l'ai... Elle était toute habillée en petite fille. Et je l'ai sortie dans mes bras. Mais mon Dieu, on dirait que j'ai une enfant. C'est une enfant que j'ai dans mes bras. Mais t'es pas à vous, restez pas là! Je vais t'écarter, vite, vite, vite! Arrête-toi! Voyons, non, je peux pas... José! Denise a toujours été là. En amitié... Et elle est encore là. Je t'en supplie, Denise, aide-moi. T'es tellement meilleure que moi dans ces manigances-là. Je t'en supplie. Non. Ton mari trouve déjà que je mêle trop de vos affaires. Moi, je suis Claude Blanc, Dominique et l'Auguste. Personnages de la Commedia dell'arte qui ont établi tout ce qui vient après, hein? Nos personnages, c'est la grande qui embarque la petite. Ben oui, Denise, pourquoi moi? Parce que c'est comme ça que les choses se font. À l'époque de moi et l'autre, les gens me détestaient. Enfin, ils m'aimaient bien, mais je pensais qu'ils me détestaient seulement, parce qu'à chaque fois que je les rencontrais, hey, vous, là, vous en faites arracher à la petite. Quand est-ce que vous allez la lâcher? Denise, demain, tu vas faire les manchettes. Ah bon? Grande femme jaune trouvée pendue à un sein dans un placard. Ah, fallait que je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Pour le faire valoir pendant tant d'années, alors que ça ne m'amusait plus. Mais attention, là, c'était pas seulement par amitié pour Dominique, j'avais à gagner ma vie aussi, et il y a des grands bouts, c'était intéressant, puis c'était amusant. On a fait ça pendant 5 ans. À travailler presque 7 jours par semaine, parce que les textes, fallait quand même les apprendre aussi. Tiens. C'est ça? Bébé. 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 Et je me souviens, quand Sophie est née, on a travaillé jusqu'à la dernière minute. Jusqu'à la dernière minute. Alors, ça prend quelqu'un qui a beaucoup de cœur, de force, de vitalité, de courage... Parce qu'on avait besoin d'argent, et elle aussi. Et elle était enceinte de 9 mois, travaillait encore, on dansait le tap dance. C'était épouvantable. C'était de l'argent qu'on ramenait à la maison, c'était qui nous payait quand même
un certain confort, pour ne pas dire un certain luxe, bon, on s'y était habitué. Puis toi, tu dis toujours, moi, j'ai eu une enfance heureuse, mais modeste. Et j'ai toujours, mes enfants vont en avoir plus, alors qu'elles auraient peut-être bien mieux aimé que j'aille à la maison plutôt que apporter des compensations. Mais ça, tu le comprends pas quand t'es jeune. Tu veux tout. Tu veux ta carrière, tu veux tes enfants d'abord, tu veux ta carrière. Notre mère travaillait presque 18 heures par jour. Elle faisait des chiffres incroyables de travail. Je me revois demandant à maman de pas partir. Ah oui, pleurer, puis la crise de larmes, le gros chantage. Un gros chantage émotif, pauvre maman, ça devait être épouvantable. Vous n'avez jamais hésité entre vos enfants et votre carrière? Oh non, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jamais dans 100 ans, puis ça n'a pas de bon sens. Oh non, moi, non, je voulais avoir les deux, je vous dis, mais les enfants d'abord, attention. Mais tu sais, de dire les enfants, on m'a touché. Je suis bien trop lucide pour ça. Je sais bien trop qu'une carrière, c'est trop aléatoire, ça dure ce que durent les roses. Voyons donc, jamais, même, ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Jamais, 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 jamais. Je me souviens, maman partait le soir pas dire. Pour me consoler, là, je m'en vais travailler, tout ça, mais je vais t'apporter quelque chose. Puis là, le matin, j'aimais ça. Il y avait une petite bébelle quelconque qu'elle n'oubliait jamais. Je berçais mes enfants. Sophie qui mangeait pas des heures, essayait de faire le petit train, le garage de papa, la maman, là, qui s'en va au marché, puis qui cache dans la bouche à Sophie, puis qu'elle... Je pense, moi, que j'ai été très affectueuse avec mes enfants. Ma mère, sous ses allures de fille très in-pop et dans le vent, était très, pas rigide, là, mais straight, comme on pourrait dire. Il y a des choses sur lesquelles elle était effectivement intransigeante. On a été habitués très jeune à sortir au restaurant, être avec des grandes personnes, à vous voyer, à s'asseoir correctement, à attendre qu'on nous parle et ne pas interrompre les gens. Il y avait toute une étiquette à laquelle ma mère tenait. Elle avait dit à ma soeur que ça fumait juste une pof de marijuana. Elle était pour perdre tous ses cheveux puis toutes ses dents. En tout cas, elle essayait vraiment là, d'y faire une campagne là, par la terreur. Ma mère était une actrice avec tout ce que ça représente de glamour, de glitter. Ma mère n'était pas comme les autres, c'est évident. Alors, il n'y avait pas que des inconvénients à ça, c'est sûr, il y avait des avantages à ça. Elle me traînait partout, elle m'amenait partout, ça. Je garde des souvenirs fantastiques de ça. Voilà, petite mignonne, c'est la petite gouttière, c'est la fille de Denise. Puis, il y a toi de Jacques Lorrain, c'est Daniel. Les flashs que j'ai de ma mère sont des flashs qui sont très... avec beaucoup de mouvement. Très rochers, si je peux me permettre l'expression. Ma mère est une femme qui déplaçait déjà beaucoup d'air à l'époque. T'es vieille, la bonne femme. Faut se la faire. Je sais, je me connais. Mais me connaissent aussi, heureusement. Faut se la faire. J'ai pas de patience, j'endure pas rien. Faut que ça aille vite, je vais pas perdre de temps. Écoute, Michel, tu me déranges. Je suis en train de travailler un texte. Elle voyait répéter dans sa voiture. Elle lâchait le volant, puis elle faisait des gestes. Elle se maquillait en conduisant. Hein? Ma mère, pouvait se mettre des faux cils, se mettre du vernis à ongles, ses doigts de pied en conduisant. Il n'y avait absolument aucun résistant à rien. Je me souviens, il y a quelques années, moi, j'ai fait un voyage avec elle, ma sœur, puis on est allé à New York. Puis on était, nous autres, on la suivait comme un chien garé. Je veux dire, elle était des maîtres en avant de nous autres. Puis elle avait acheté des billets pour aller voir tel spectacle. Puis là, elle était plus sûre. Puis là, je vais revendre ça. Puis là, elle se mettait devant le théâtre. Puis là, tickets for sale, elle revendait. Elle était devenue scalper. Elle revendait ses billets à demi-prix sur le coin du trottoir. Elle disait, ben voyons donc, maman. Ah, c'est pas grave, personne ne me connaît ici. Bon. Puis là, tickets for sale. Puis là, le pire, c'est qu'elle revendait ses billets. Elle réussissait à s'en débarrasser. Là, elle disait, bon, là, on s'en va à TQS. On va acheter d'autres billets. Ils sont à moitié prix. Puis on va aller voir tel show. Puis toi, tu vas aller voir ça. Puis ça, faut que tu vois ça parce que ça, c'est écœurant. Puis là, on se rejoint ici après 4 heures. Puis là, on la suivait. Puis là, tu veux dire, hey, regarde ça, ces souliers-là, ils sont beaux. Puis en même temps, quand on vendait des billets, on allait acheter des souliers. Puis on sortait avec les souliers. Puis on achetait 3 t-shirts. Puis là, un tel. Puis un tel. Là, on arrivait à l'hôtel. Épuisé. Puis là, on partait le lendemain matin, puis là, on déjeunait, puis là, c'est bon, puis là, on va aller manger ici, puis là, on va être sinon, puis on va au 1-2-3, puis là, on peut faire des dessins scénaux, puis regarde, c'est le fun, puis hey, Al Pacino qui joue là, puis dépêche-toi, puis il est-tu bon, il est-tu écœurant? Ah, c'est un chien, il est écœurant. Là, on repartait, puis là, moi, je suis rentrée de chez nous après 3 jours à New York avec elle, j'étais faite. Je suis allée à New York une fois avec elle, en auto.
Elle avait une Mercedes, une grosse Mercedes à l'époque. Savez-vous que New York, c'est 3h30, New York-Montréal? C'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est... moi, je dis toujours, puis le mot est devinu, elle stationne pas à la coste. Plus jamais de ma vie, je vais embarquer dans une voiture avec Denise Fiantro. Je vais marcher jusqu'à New York. Hola, 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 hola. Est-ce que je t'ai dit que le lait organisait un méchant gros concours? Chaque semaine, 20 personnes vont gagner ce livre sur les animaux et seront invitées à une soirée surprise avec la gang de 4,5 où ils pourraient gagner un safari en Afrique offert par Kumuka en collaboration avec Voyage Campus. Et Sabina via Bruxelles, mon chou. Pour participer, il faut répondre à la question suivante. Quel pourcentage de matière grasse retrouve-t-on dans le lait écrémé? 10, 35 ou 0%? Ensuite, on donne sa réponse au 1-900-870. Énerve-toi pas, là, il n'y a pas de bœuf dans les safaris. Pour une haleine vraiment fraîche, utilisez Scope tous les jours. Aucun autre rince-bouche populaire n'élimine autant de bactéries dues à la mauvaise haleine que Scope. Alors quand vous voulez vous rapprocher encore plus, vous pouvez y aller en toute confiance. Excusez, c'est bien votre pied? Rapprochez-vous encore plus avec Scope. Voyons voir, boisson mauve, orange, cola... Hey, ça dit, j'en veux un! Oh, OK! Ouais. Ça a le goût d'orange, de tangerine et de lime. Et il y a de la vitamine A, B1 et C! Un Solidi pour la route! Merci, ma! Solidi Light, choisi par les jeunes, approuvé par les maires. Surveillez votre boîte aux lettres. Vous y trouverez bientôt une offre 2 pour 1 de Solidi Light. C'est Marion, OK? Je t'enlève pas tes blancs, toi. J'aime. J'aime ça. C'est bon, ça. OK. T'as peur que je te l'enlève? Je suis pas jaloux, ça va. T'es à moi. Dis que t'es à moi. Un peu, beaucoup, à la folie. Une dramatique en 5 épisodes de Jeannette Bertrand, dès ce soir, 21h. Bonsoir. Encore une autre journée mouvementée à la Bourse de New York. Le Dow Jones a regagné les 2/3 des 500 points perdus hier. Notre dollar, lui, a clôturé à 64,43 cents américains en hausse de 67 centièmes. Et à Moscou, rencontre au sommet entre les présidents Bill Clinton et Boris Yeltsin. Le président américain, qui soutient son homologue dans sa réforme économique, a exhorté son vis-à-vis à rester sur la voie de la démocratie. Et puis au point, un débat sur l'équité salariale. Tous les détails au Téléjournal. Beau et Martineau vous offre des super aubaines à demi prix. Regardez attentivement, je vous explique comment en profiter. Achetez ce télécouleur 27 pouces stéréo au bas prix de $599 et obtenez ce magnétoscope à demi prix, soit $79. Achetez cet aspirateur central à seulement $379 et obtenez ces accessoires à air de luxe à demi prix, soit $74. De plus, vous ne payez qu'en septembre 1999 les demi prix seulement dans les 10 magasins Pro et Martineau. Manquez pas ça. Idéaliste et magnifique, même impulsif, tu es exquise, Denise. La première fois que j'ai parlé sur le téléphone, tu me mets toute ma vie, le téléphone sonne, je réponds, puis il y a quelqu'un qui gueule au téléphone. Tu commences de parler comme un haïtien, là? Je sais qui, c'est Denise Fiantro. Tabarnouche. Es-tu capable de parler comme un tinègue, là? De même. Fait que là, moi, je dis, oui. Parle-moi tinègue, là. Parle-moi tinègue, hein, ouais. Là, je dis, bonjour, Madame Denise Fiantro. Bon, OK, quand c'est pas ça, mais ça va faire. Là, tu t'en viens à la salle de répétition. Ah, oh, telle date, puis ça a été de même toute ma vie. C'est parti là, puis c'est resté là. Et là, on a fait la première émission, puis ce qui est merveilleux avec Denise, c'est que si elle fait confiance à me donner un personnage comme les autres, là, pas un petit rôle. Là. On va pouvoir chanter, danser, bleuer, jouer le piano, la comédie. J'aurais voulu être un actif. Non, mon petit bras toi. Tu sais, moi, je considère comme mes petits-enfants. Ça. Mon petit bras toi, mon petit Luc Guérin. Je les aime beaucoup. Bonjour tout le monde! Et je pense qu'ils m'aiment bien aussi. Brad Waite, je l'ai vu arriver tellement vulnérable sur chez Denise. Voyons-nous, qu'est-ce qui se passe?
l'accent haïtien. Il y a certains mots, c'est quand tu écris du dialogue, il faut que tu y penses comment les faire parler avec leur accent. Bon, mais tu sais ce que je pensais. OK, je ne mets plus jamais les pieds ici, parce que je veux dire que ta service est pourri, t'as mangé, il ne vaut pas de chenoute. Toi, comme barman, tu devrais prendre des leçons par correspondance, puis après ça, je vais le dire à tous mes amis, puis ton partner, Denise, devrait savoir de me mettre en avant quand je vais être sur le téléphone. Je te paye pas une scène. So long, everybody! J'ai eu les metteurs en scène français qui crient un petit peu, mais je sais pas c'est quoi quelqu'un qui crie. On ne sait pas, tant qu'on n'a pas travaillé avec Denise. Puis quand je parle crier, ça ne veut pas nécessairement dire de dire un mot fort. Ça veut dire de dire 175 mots d'affilée fort. Arrêtez ça, vous allez m'énerver! Je vais avoir la broue dans le pied, je vais faire de l'angoisse, puis... On faisait des scènes, moi, puis Benoît Marleault. Scène au bar, on est au bar, on discute. Denise, elle se cachait en dessous du bar. Pauvre Jean-Paul, mon fouet! Puis pendant qu'on jouait... Ah oui, tabarnak, va plus vite, on va moins vite. J'ai dit, tu l'as pas en dessous du bar. Elle me fait chanter en anglais, en plus. Je sais même pas ce que je dis, alors. Le rock après l'opéra, oh! C'est de la comédie, puis je vois snapper. Le téléroman, c'est pas pareil, tu sais, tu peux leur faire, les faire parler puis jaser tranquillement de leurs problèmes, qu'ils se racontent, mais nous, il faut qu'il arrive vraiment quelque chose, il faut que les gens rient. Tu veux faire la vaisselle? Mais non, maman, laissez ça, maman. Vous êtes toujours dur d'écrire. C'est pas évident, c'est toujours dur. Pour moi, en tout cas, c'est très laborieux. C'est très, 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 c'est dur. C'est long, c'est compliqué, puis c'est dur. Il y a des gens pour qui c'est plus facile, pour moi, c'est dur. Du cheval, c'est le célèbre à 4h30 ou 5h du matin, tous les jours. Et elle écrit, et elle écrit, elle écrit, elle écrit, elle écrit. Me demande si elle vit. Ah, c'est gentil, monsieur Lavigueur, d'avoir accepté de venir souper avec nous. Voulez-vous un petit hors d'œuvre? Non, merci. Je suis servi. J'aime bien que les autres puissent avoir de quoi se défendre, tu sais, qu'il y ait des bonnes lignes, comme on dit, des bonnes répliques. C'est... Oui, ça, plus souvent, parce que ça, c'est mon côté straight man, tu passes aux autres. Mais des fois, je m'en mets aussi, parce que je suis rendu, je trouve que le personnage est amusant. Madame Lise, les oui. Tournages, je voudrais pas vous manquer de respect. Oh, mais manquer, cher ami, manquer! Lise, Madame Lise! Je voudrais dire deux mots dans le particulier. Oh, excusez-moi, mon beau Jean-Paul. Sérieux. L'amour est un oiseau rebelle. Il y a des femmes de mon âge, surtout, qui me disent « Mon Dieu, on n'est pas fini à 60 ans, on peut encore avoir du fun dans la vie, puis vivre, puis courir des gars. J'ai jamais tant couru de gars qu'à la télévision, bien plus que dans ma vie. » Ben, je sais pas, me semble que tu devrais cacher ton jeu un petit peu, là. Quand t'as une straight flush dans les mains, tu mets toutes tes cartes sur la table, ouais. Hein? On est sur ça de la garochée, tu sais. C'est toi qui me laisses après d'un bras, le beau Jean-Paul. Oui, mais pas dans ton lit. Laisse faire, ça, je suis capable de faire ça tout seul. Ah, moi, je tombe en amour, je suis amoureuse. Moi, c'était des durées de 5 ans. Absolument, c'était 5 ans. Ça marchait bien pendant 4 ans et demi. Bon, les derniers 6 mois, ça marchait. Bon, je pleurais pendant un bout de temps. Puis après ça, j'essayais de retomber amoureuse. C'était encore 5 ans. J'y crois comme Pierre. À chaque fois, j'y crois. Ma chérie, je suis tellement heureux. Tellement belle. Oh. Et adorable. Et charmante. Oh, arrête donc. J'ai tellement hâte à ce soir. C'est vrai? Et pourquoi que t'as hâte à ce soir? J'ai assez hâte d'enlever mes souliers, ils me font assez mal. Ah, bon. Moi aussi, j'ai hâte à ce soir. Quoi? Pour voir notre portrait de noces. Quel genre d'amoureuse vous étiez? Un peu geisha. Un peu geisha, merci. Un peu, c'est encore l'éducation. Qu'un homme, une vraie femme, parce que pas une vraie femme, je suis une vraie femme, qui se sacrifie pour un homme, c'est ridicule. Les gars ne demandent pas ça. Aujourd'hui, ils sont même plus intelligents que ça. C'est Jeannette Bertrand, puis je trouve ça cute d'ailleurs, qui disait toujours, dans le cœur de chaque femme, il y a une petite fille. C'est vrai. Alors, on est, nous aussi, des enfants. Alors, comme un enfant, on veut tout avoir, nous aussi, je pense. On veut tout de la vie. On veut rien laisser. On veut nos enfants, puis on, comme une petite fille qui sommeille en nous, on veut rencontrer le prince charmant jusqu'à temps que... Bon, je l'ai dit souvent en entrevue, ça. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que le prince charmant, il n'existe pas. Hein? C'était au cinéma, puis c'était notre éducation, surtout les femmes de ma génération. Peut-être pas la vôtre, mais la nôtre. Hein? Jusqu'à ce que tu te rends compte que le prince charmant, le cheval blanc, puis le bré d'évêque, c'est toi. C'est pas autre chose que ça. J'ai déjà donné, comme on dit, puis j'ai eu beaucoup de chance, comme je dis, sur ces 5 ans, j'ai eu 5 ans de bonheur. Il y en a qui n'ont pas 5 heures.
C'est une grande joie. C'était du bon temps. Puis l'amour, ça va avec la jeunesse. Mais à 65 ans, dans 5 ans, à 70, je pense que tout, même à 65, là, j'ai pris ma pension. Là. J'ai pris ma pension. Puis c'est correct. Pour jaser, j'ai mes amis. Pour sortir, j'ai mes amis. Tu sais que l'amitié, c'est pas rien non plus, hein? C'est important. Une peine d'amitié, c'est bien, ça fait souvent bien plus mal qu'une peine d'amour. Mes filles, c'est ma vie. J'aurais pas mes deux filles aujourd'hui. Il y aurait des bouts, ce serait pas drôle, parce qu'à part le travail, il n'y a pas que ça dans la vie. Comme je dis que la famille et les amis sont très importants. Heureusement que je les ai souvent, parce que c'est mon réconfort. Ce sont des amis aussi, ce sont des femmes. Je m'inquiète tout le temps. Ça, tu t'inquiètes toute ta vie pour tes enfants. Ça, c'est la mère de Dominique Michel qui me disait ça, tu verras. Qu'elles arrivent à avoir l'âge qu'elles voudront, tu t'inquiéteras toute ta vie pour tes enfants. Tu t'inquiètes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu veux toujours les protéger de tout. Souvent, ça leur tape ses nerfs, elles prennent moins ça, disant « Écoute, maman, arrête, on n'est plus des enfants. » Mais à ce moment-là, elle jette ça sur le petit, tu sais. Mon petit-fils, ben, c'est mon grand bonheur. Comme je disais un jour, il y a beaucoup de gars qui m'ont fait courir dans leur vie, mais comme lui, jamais, jamais. C'est le grand bonheur de ma vie. C'est le roi. L'enfant roi, c'est lui. Alors nous, on est obligés de repasser en arrière des fois et de dire, ben là, c'est parce qu'on a de la difficulté après, nous autres, tu sais. Disons que les coins sont ronds pas mal, puis elle le garde, puis des fois, on lui dit, arrête de le gâter, mais je le garde pas, je le garde pas, je le garde pas. Non, on va y acheter des petites affaires en décède. Puis là, on fait des deals avec lui, il faut pas qu'il nous en parle. On finit tout le temps par la poignée comme un enfant, comme un enfant. Je suis complètement gaga, ça, je l'avoue. Des fois, je dis non, mais cet enfant-là ne me regardait avec ses grands yeux verts, puis c'est fini, c'est terminé. Je suis folle de cet enfant, c'est un amour inconditionnel. Les lentilles ordinaires laissent voir les reflets. Chez LensCrafters, nous avons maintenant des lentilles appelées invisibles, qui réduisent les reflets jusqu'à 90%. Seul LensCrafters peut les fabriquer pour presque toutes les lunettes en une heure environ. Les lentilles invisibles, une exclusivité LensCrafters. Toujours un café frais moulu sur place qui vous offre toute la saveur que vous recherchez. Excusez-moi, pouvez-vous peser sur le piton juste un peu? Duncan, avec plaisir. On ne voit pas que c'est du fond de teint. On ne sent pas que c'est du fond de teint. Une nouvelle génération de naturel. Maybelline invente le fond de teint True Illusion. Certains fonds de teint peuvent faire des plaques et ça se voit. La formule exclusive micro-réseau de True Illusion se répartit différemment avec légèreté. Unifie et cache subtilement les imperfections. Le teint est impeccable, sans avoir l'air maquillé. Vérité ou illusion? Nouveau fond de teint True Illusion de Maybelline. Elle a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. Jusqu'au 13 septembre, c'est l'événement Denain bleu sur bleu chez Eaton. À cette occasion, vous pourrez non seulement vous procurer toutes les marques de jeans les plus populaires à bon prix, mais avec tout achat de $30 ou plus de jeans, de vêtements tout allés ou de fragrances sélectionnées, vous recevrez en prime un CD comprenant des succès comme... Michel ne lave jamais sa douche, qui est quand même toujours fraîche et propre chaque fois qu'elle y pénètre. C'est qu'elle a découvert un produit complètement nouveau, Douche Fraîche de Tilex. Après chaque douche, elle vaporise ce nettoyant doux, sans frotter ni même rincer. Parce que le nouveau Douche Fraîche empêche les résidus de savon et de moisissure de s'accumuler, vous n'aurez jamais plus besoin de nettoyer votre douche. Essayez le nouveau Douche Fraîche de Tilex. Selon un sondage récent,
chocolat au sexe. C'est vrai que les goûters au pudding au chocolat sans gras de Jell-O sont si merveilleusement riches, crémeux et sans gras. Qu'au fond, la question ne se pose même pas. Vogue par Luxottica. Qu'aimeriez-vous montrer de vous? J'aimerais bien montrer comment tout ça a commencé. Que grandir ne veut pas dire vieillir. Montrer les tendances à venir. Collection Vogue par Luxottica Lunette. Les belles histoires des pays d'en haut. J'étais la seule qui en faisait arracher à ses refins que les gens haïssaient depuis des années, qui haïssaient de la radio, qui haïssaient de la télévision. Votre père vient pas voter. Le père, il est trop malade. Il est couché. Ça a donc l'air de te faire plaisir. Le père sortira pas. C'est ça! Mettez-vous tous de contre moi pour faire battre mon candidat. Un ivrogne comme Pete Caribou, ça mérite pas mieux que ça. Faut pas avoir de pudeur. Souvent, certains acteurs sont très bons, mais ils le sont moins parce qu'ils ont trop de pudeur à s'oublier dans un personnage. Alors, ils s'imaginent toujours qu'on les regarde eux. Puis là, ils deviennent timides. Et si tu peux arriver à briser ça, et s'ils arrivent à se laisser aller au personnage, c'est merveilleux, c'est le talent du set. Mal pris. Ouais. Combien? 525 pièces. Jésus! Ouais. Bonne Saint-Anne, il vous faut ce camp. Sainte Madeleine. Oh, laissez faire les saints du paradis, ils n'ont jamais donné rien à personne. Mais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de suite? Ça veut dire tout de suite. J'ose pas appeler la maison, j'ai peur que ce soit trop tard. Mais de quoi c'est qui se passe de si grave? C'est pas l'hôpital qui vous font de la misère, toujours. Non. Mon taxi. Ça fait 4 mois, j'ai pas payé, fait qu'ils vont me le saisir. Boutique de boutique. Oh, puis qu'ils me saisissent donc, je suis assez. Ben voyons, attendez une minute. Il y avait du répondant avec quelque chose qui arrivait, tu sais. Comment ça tente que tu ouvres les yeux, Xavier? Ben, j'ai les yeux ouverts. À date, j'ai fait ce que j'ai pu pour me trouver du travail. Même si tu t'es arrangé pour me rendre la vie plus difficile. Tu t'imagines de même pas que je suis heureux d'être chômeur, que j'aime ça me traîner du temps en usine pour me quitter un gagne-pain? T'aurais pu t'en trouver un depuis longtemps, ça va pas être aussi dur que la pierre. Mais non. Monsieur attend qu'on y prenne emploi, fait sur mesure. Les semaines passent, les mois passent, puis la maison devient un enfer. Oh, des fois, j'ai envie de m'en aller, puis de t'abandonner tout seul avec les enfants. Seulement d'être patiente, Sophie. J'approche mon but. J'y touche presque. Essaye pas de me décourager. Mais tu le sais bien que tu partiras jamais pour le Grand Nord, que tu verras jamais les Esquimaux de Frédéric. Que tout ça, c'est encore du vent d'appuyer des illusions. C'est trop jeune pour le rôle, parce que je pense que je jouais le rôle d'une femme de. Si je me rappelle bien, ça fait si longtemps, de 49 ans, j'en avais peut-être 29 à l'époque. Qui avait de grands enfants, mais on m'avait maquillé, puis j'étais tellement maigre que j'avais l'air de la misère. T'as été méchante. T'as souvent été méchante avec moi. Peut-être. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi? Oui. J'ai jamais compris. T'as pas compris parce que t'as jamais vu les réalités en face. Des réalités faciles à voir, pourtant. C'est là, tout autour de toi. Regarde! Mais regarde! Je pense qu'une partie de ta personnalité ou de ton intériorité, de ton, je dirais, mon moi profond, oui, dans tout ce qu'on joue, je pense, et ça, c'est tous les acteurs au monde, sans s'en rendre compte bien souvent. Mais d'un autre côté, si je joue une criminelle demain matin, je pense pas avoir un fond de criminel en moi, je pense pas. Je veux pas te faire de mal, laisse-moi une chance. Non, bon Dieu, non, jamais, j'ai pas besoin de toi, et que c'était dans la lettre. Hé, hey, mais c'est de l'amour, ça. Oh, maudit, non, c'est pas de l'amour. Tu m'aimes, tu vas me dire. Tu m'aimes, je le sais que tu m'aimes. Oh, t'aimes, tu m'aimes! Fais-le pas, cette affaire-là, toi. Là. Laisse-moi tranquille, calme-toi. Calme-toi, tu vas te faire très mal. Calme-toi. La
La première fois que j'ai vu Denise en personne, je m'en souviens très bien, c'était à la lecture des Belles-Sœurs le 4 mars 1968. Là, je travaille comme un enragé jusqu'à midi. Là, les robes, les jupes, les bas, les chandails, les pantalons, les capuchons, les brassières, tout y passe. Là, il frotte, puis il dort, puis il frotte, puis il rince, écœurant, les mains rouges, c'est que riche, ça. Et la première vision que j'ai d'elle, c'est Denise Filiatro dans toute sa splendeur, descendant l'escalier pour venir répéter la lecture de la pièce. Là, mon cœur est tombé dans mes talons, évidemment. Ah, oh, ben, par exemple, j'ai mon voyage. Mais attends, je t'en maudis. Si c'était elle, je te pensais pas de même, Linda. Tu me désappointes bien gros, ma petite. Quand les belles-sœurs sont arrivées, je dis, bon, ben, enfin, là, on va jouer du théâtre comme j'ai envie d'en jouer. Nous représentant, et c'est là que j'ai tout fait pour que les belles-sœurs se fassent, se montrent. C'était une espèce de geste, je pense, de générosité juste pour le... pour que ce texte-là ait une chance de venir au monde, finalement. Puis ça, c'est quelque chose dont je pense qu'on va être longtemps reconnaissant. Dans cette famille d'élections-là que je me suis faite à partir des belles-sœurs, Denise a un trône. elle a une place très, très précieuse qui est ma sœur. C'est plus qu'une amie. Oh, Michel Tremblay, mon Dieu, c'est le frère que j'ai pas eu. Michel Tremblay, moi, quand j'ai lu Les Belles-Sœurs, c'est Denise Prou qui a eu la grande bonté de m'apporter le manuscrit des Belles-Sœurs, sur moi et l'autre. Et j'ai lu ça et j'ai pleuré comme une enfant parce que c'était ma mère, c'était mes tantes, c'était mes voisines, c'était le milieu dans lequel j'avais vécu, j'avais grandi. C'était toute l'Est de Montréal. Moi, j'aime ça, bingo! Moi, du plaisir à jouer ça, parce que tous les soirs, le monologue de Rose Ouimette me bouleversait à chaque fois que je le récitais. J'avais à dire sur scène « maudit cul ». Mais dire « maudit cul » dans les années 60 sur une scène, c'était pas évident. Quand moi, je me lève le matin, il est toujours là qui me regarde. Il m'attend. Tous les matins, que le bon Dieu amène, il se réveille avant moi, puis il m'attend. Puis tous les soirs que le bon Dieu amène, il se couche avant moi, puis il m'attend. Il est toujours là. Il est toujours après moi, collé après moi comme une censure. Maudit cul! Ah, ça, ils disent pas des vues, par exemple. Quand t'arrives à 40 ans, là, puis tu t'aperçois que t'as rien arrière de toi, puis t'as rien avant de toi, t'as envie de tout sacrer là pour commencer en neuf. Bizarre. Denise, elle est très bien, mais c'est une actrice du comment, puis moi, je suis quelqu'un du pourquoi, puis je pense qu'on s'entendra jamais. Bon, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et puis c'est juste quelques années après que j'ai découvert que ça m'avait, comme on dit, mis du plomb dans la tête. Quand tu descends de l'autobus, puis que t'as plus une scène dans tes poches, tu t'assises sur un banc de terminus, sors ton rouge à lèvres, la sacoche. Tu fermes les yeux, puis tu vas. Tu te bures la bouche comme que tu veux. Elle m'a fait comprendre que dans un spectacle, c'est important qu'il se passe de quoi pour le public. Et non pas juste pour nous-mêmes et nos amis, les trois amis qui occupaient les lobes de nos cerveaux. Tu trouves une petite job comme maîtresse. Que quel que soit le concept que tu peux avoir, quel que soit le beau texte que tu peux écrire dans ton programme pour justifier les affaires qui n'ont pas d'allure, il reste que le spectacle qui se fait quand les acteurs sont devant le public, puis que c'est cette espèce de sens qu'il faut que le spectateur ait du plaisir, qu'elle connaissait beaucoup plus que nous. La boue avec un essuie-tout? C'est possible maintenant qu'il y a le nouveau Bounty super résistant. Encore plus résistant que jamais, il vous permet d'en faire plus que ce que vous croyez possible. Comparé à la marque ordinaire de 23 cm la plus populaire, le nouveau Bounty super résistant tient le coup et termine cette corvée difficile. Attaquez-vous aux cernes du bain, aux aliments qui ont cuit, aux dégâts qui se répandent et toutes sortes de sales boulots. Relevez des défis en
faisons l'essai du nouveau Bounty, avec l'échantillon gratuit qui sera distribué chez vous bientôt. Un mal d'estomac. Pour aider à soulager les maux d'estomac, il y a Pepto-Bismol. Un mal d'estomac, ça s'arrose. La belle saison tire à sa fin, mais la belle saison des Winstar bat son plein. Pour un temps très limité, procurez-vous un Winstar GL 1998 pour seulement $269 par mois. Avec 4 sièges capitaine, aménagement 7 passagers, climatiseur et beaucoup plus. Vous obtenez 0% de taux de crédit jusqu'à 36 mois sur les Escort, Contour, Mystic, Ranger et plusieurs autres modèles 98. 0% de taux de crédit sur nos modèles 98 les plus populaires ou un Winstar à $269 par mois. Seulement chez vos concessionnaires Ford et vos concessionnaires Lincoln Mercury. Ce que maman veut. Sans qu'on soit vu pour un petit bébé, non, hein? La petite vie le peut. Moi, j'ai envie de chouette. L'héritier s'en vient. Ok, c'est fini. Dans les nouveaux épisodes de La petite vie dès lundi 19h30. Serge Thériault. Une vraie moment pour ses joueurs. Aussi intense derrière le banc que dans La petite vie. La soirée de la rentrée. Le show pour briser la glace. Lundi 20h. Voici les nouveaux crocs poulet au cheddar de Kentucky. De tendres et juteux morceaux de poulet. Mais coupez! Mais qu'est-ce qui se passe? Assaisonnés selon la recette secrète du colonel, avec du vrai fromage cheddar. Ok, on peut tourner. Ils sont irrésistibles. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Hey, coupez! 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 Ah! En méga bouffe ou en combo, goûtez-y dès aujourd'hui. Coupez! Mais vous allez me rendre fou! Arrêtez de bouffer les crocs poulet au cheddar! Il paraît que les chaussures en disent beaucoup sur ceux qui les portent. Ceux-là, par exemple, disent que vous aimez la mode et les économies. Chaussures 7,25 originales chez Walmart. La mode d'aujourd'hui à prix Walmart. Toujours. Je m'appelle Charlotte Johnny. Charlotte Toupin. C'est bien là, mais qu'est-ce que tu veux, c'est mon nom. Mon vrai, puis j'y tiens. Ma faute, tu nous mon avec. Justement, c'est pas une raison de mourir avec, surtout dans le showbiz. Moi, Carlotta, je trouve ça beau. Non. Mais moi, Carlotta, je trouve que ça a l'air cheap. Je suis pas une Italienne. Je suis de monde à Montréal. Mon père s'appelle Octave Toupin, puis il est plombier. Ben oui, mais comprends. Donc, quand tu deviens un artiste... Oh, ben, hey! Oh, c'est une puissante salle-là. Nous autres, des artistes. Allô, artistes. Mon père, dans sa plomberie, t'as plus artiste que nous autres. Voyons donc. Hey. Écoute, Johnny Mangano, le grand dresseur de chiens sauvages. Le showbiz, je l'ai dans la peau, je l'ai dans les jambes aussi. On s'est rendu compte aussitôt que j'étais embarqué sur Insta. J'aime beaucoup les gens qui ont fait du cabaret parce que j'ai un contact direct avec le public. C'est instantané. Qui existe vraiment. Et on manque parfois ça au cinéma. Alors, quand je l'ai pris, je me suis aperçu que ce que je recherchais, je l'avais déjà avec elle. Donc, je n'avais pas à diriger Denise Filiatro. Hey! Savez-vous ce que Tiroir, mon mari, voulait que je fasse la dernière fois qu'on a vécu ensemble? Il voulait que je me paye en religieuse pour faire l'amour. Me vois-tu déguisé en bonne sœur? C'était son fun à lui. Ben ouais, puis mon fun à moi. Tu penses que c'est drôle de se faire aller dans le lit à habiller en grise? T'essayeras ça pour voir. Surtout avec des scapulaires, des images puis des médailles partout. Hey, c'est pas des maudites faces. C'est rendu que t'es pas capable de bander si on récitait pas de rosaire. Je n'aime pas les comédiens qui diminuent le quotient intellectuel pour faire une ouvrière ou faire une prostituée. C'est penser que la prostituée est moins intelligente qu'un comédien. Ce qui n'est pas vrai, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors, Denise apporte cette intelligence dans le regard, cette compréhension des mots. Et dire que j'ai passé 10 ans de ma vie comme ça dans le bois, moi. 10 ans, tabarnak. 10 ans, coke d'un chantier. Heureusement que j'avais un petit sideline payant. Seule de femme avec 25 hommes. C'est un personnage que je trouvais généreux. C'est une femme que je trouvais généreuse. C'est une femme qui avait son franc-parler. C'est une femme qui avait un passé. C'est une femme qui avait des répliques très drôles, tout en étant... très touchante, alors ça ne pouvait pas faire autrement qu'être bon, que marquer. Et Carolard avait beaucoup de difficultés parce qu'elle regardait Denise jouer. Elle était obligée de la réveiller.
Et regarde, joue aussi. Tu ne fais pas que t'émerveiller devant cette comédienne-là. Gâtiez-vous. Je te manque de moi. Mais non, voyons, mais non. Ton père a toujours ressemblé à Gary Cooper. Un vrai sosie. Hey, tu veux que je me skate? J'essaie de te faire plaisir, puis tu me boudes. Tu mens, Blanche Bellefeuille. Tu mens, puis tu respectes rien. Mon père t'a jamais parlé de moi. Même les lettres sont fausses. Ben là, ma petite fille, tu vas trop loin. Je vais te faire traiter de menteuse, tu vas ravaler ça. Il n'y a jamais personne qui m'a traité de menteuse sans avoir une claque en pleine face. Décris-le toi-même pour te donner de l'importance, OK? Tu vas ravaler ça, ma petite Chris. Tu vas ravaler ça? Ma petite tabarnouche, tu te dis ça, toi? Tu vas traiter de menteuse? Moi, Blanche, t'as quand même... Ce qui est intéressant avec Denis, c'est de faire des rôles marquants, des rôles vraiment puissants, des rôles plus orgueilleux, un petit peu plus fiers. Tremblay lui a bien fait jouer ça d'une façon plus continue que moi. Oh, yes! J'aurais pu m'y au troisième degré avec ça, moi! J'ai une mélange pyrène ici! Oh, ta gueule, toi, Valoune! Tu pourrais pas le dire quand t'as soupé chaud, d'esti! D'habitude, elle est tellement frette, les clients veulent pas! Là, il parle de ça, toi, je commence à faire mon hostie de voyage et ta maudite face! T'as l'air de la tête de cochon que ma mère s'achetait pour des gretons! Au lieu de crier les mêmes, va donc t'occuper de tes clientes! La butch! Transparaît finalement chez tous les autres comédiens. Ça transparaît chez tout le monde, chez moi, chez tout le monde. On sent que quand Denis arrive, le niveau d'énergie... Vous savez, il y a des êtres comme ça, il y a des impartés. Arrive quelqu'un, t'as qu'on s'amuse plus. Arrive Denis Filiatro, on joue plus. On s'en est plus exigeant. Parce qu'elle a une telle exigence pour elle-même que ça se ressent, tout ça. C'est drôle, hein? Mais ça m'arrive tout le temps pendant le souper. Moi, je suis pas pâte pour eux autres, puis... On s'assoit. Puis là, je les regarde, mes quatre hommes, comme je les appelle. Puis j'ai envie de les prendre dans mes bras, puis de les faire comme maman le faisait. On est bien ensemble. D'une actrice, d'un acteur, je pense que au cinéma, on dit que la caméra les aime. Au théâtre, on ne peut pas dire que c'est l'éclairage qui les aime. C'est vraiment une présence. Elle aurait fait partie des chœurs à l'Opéra de Montréal qu'on l'aurait remarqué probablement. Cette présence-là ne s'explique pas. C'est vrai de tous les gens qui ont de la présence. On ne peut pas mettre ça en mots. Te rappelles-tu ce trouble-là, Maurice? Non. Je suis allée la chercher sur ma mère exprès. Elle me fait encore. Depuis tout ce temps-là, elle me fait encore. Elle est encore belle. Je me sens tellement belle dans Maurice. Me rappelles-tu? Ce robe-là, c'était toute ma vie. Veux-tu rester dans le bout après un soir, Maurice? Non. C'est parce que... C'est comme mourir étouffé loin de cette, moi. Ses mains peuvent tout faire. Même propager les germes. Se laver les mains fréquemment, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Le vaporisateur Lysol à action antibactérienne tue les germes sur les surfaces pour vous éviter de les ramasser avec vos mains. Il aide ainsi à réduire la propagation des germes. Le vaporisateur désinfectant Lysol, senteur linge frais disponible.
Multipliez par 100 vos revenus sans le moindre effort. C'est possible grâce... Désolé, monsieur, dame, ça pouvait pas attendre. Fallait que je vous parle des nouvelles céréales Sugar Crisp. On a rehaussé leur goût. L'ours Sugar Crisp. Oups, je vais y aller. Notre ingénieuse stratégie est résumée sur ce graphique. Suivez. Comme je le disais, les Sugar Crisp ont plus de goût que jamais. Oh oh, je vais être obligé d'en trouver d'autres. Je n'ai jamais assez de nouvelles Sugar Crisp. S'enrichir est si simple. On ne voit pas que c'est du fond de teint. On ne sent pas que c'est du fond de teint. Une nouvelle génération de naturel. Maybelline invente le fond de teint True Illusion. Certains fonds de teint peuvent faire des plaques et ça se voit. La formule exclusive micro-réseau de True Illusion se répartit différemment avec légèreté. Unifie et cache subtilement les imperfections. Le teint est impeccable, sans avoir l'air maquillé. Vérité ou illusion? Nouveau fond de teint True Illusion de Maybelline. Elle a quelque chose en plus. C'est peut-être Maybelline. Avec les enfants, pour voir à long terme. Hein? Profitez maintenant du programme Compréhension Iris qui vous permet d'étaler vos paiements sans frais ni intérêt. Iris, les gens à voir pour vos yeux. On tient à eux comme à la prunelle de nos yeux. Pizza Hut présente sa pizza sicilienne, une pizza au goût pas ordinaire. C'est pas le moment de tourner en rond. Courez vite l'essayer, elle vous en bouchera un coin. C'est la plus illégale des pizzas. Avec de l'origan, du basilic et de l'ail dans sa croûte, elle déjoue toutes les lois. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Attention! C'est la pizza des pizzas. La toute nouvelle pizza sicilienne. Maintenant au Québec chez Pizza Hut. La nouvelle pizza sicilienne. Vous allez y goûter. Il est revenu. Plus spectaculaire que jamais. L'événement le plus attendu de l'année. La vente colossale Chrysler. La Dodge Stratus ou la Primo de Brise à seulement 17 634 $. Un taux de financement de 0% pour le Jeep Grand Cherokee. 165 $ par mois pour l'année. Et la caravane ou la voyageur à 245 $ par mois. La vente colossale. Seulement chez votre concessionnaire Chrysler. Ah, les contrats. Mais avant d'acheter, j'ai vu que j'étais couvert partout et pour tout. Iris vous offre la garantie la plus complète sur le marché. Iris, les gens à voir pour vos yeux. N'achetez jamais vos lunettes à l'aveuglette. Bon, ça se continue. Là. Qu'est-ce qui arrive? La nef. Tu t'ennuies pas avec une fille comme Denise Filiato. Faut rire. Puis quand on rit plus, ben, ça vaut plus la peine. Eh oui, comme je t'ai dit, elle souffre de dédoublement de personnalité. C'est beau qu'on essaye ça. Moi, j'ai du plaisir à le faire la première fois, moi et l'autre. C'est quand on recommence la même affaire deux fois, habille, déshabille, maquille, remaquille, coiffe, ça, là, je peux tuer. Les maquilleurs, là, ils viennent au désespoir d'elle. Elle dit, bon, c'est fini. Ben, elle dit, ben non, j'ai pas fait tes yeux, j'ai pas fini. C'est assez, ça, c'est. Oh, j'ai juste des scènes de dos, j'ai juste des scènes de dos. Ils me voient pas aujourd'hui, on va me mettre de profil. Ah, oh, je tenais, hein, ouais, c'est fini. Parce que pendant qu'ils me maquillent, des fois, quand ils me font les yeux, ça va, mais quand c'est arrivé, on peut pas parler, on peut pas rire. Ah, c'est long, faut que tu restes là à attendre. Bon, ma calogue, il va arriver quelque chose. Mais qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Moi, je niaise ici, puis je suis tournée, puis j'attends là. J'aimerais ça faire du théâtre, jouer tous les soirs. Nu-pieds, en jeans, mon t-shirt. Elle haït ça, répétez. Ça tanne. Alors, on le fait une fois, elle dit assez. J'ai fini. Sinon, je vois quoi? Moi, je vais être en retard. Sinon, je vais être en retard. Allez, tu sais qui écrit ces niaises, là? Sinon, je vais être en retard. OK, on arrête ça là. Transition. Comme d'ailleurs, le ils connaissent ça, la comédie. Tu sais, elle a un caractère bon, qu'on connaît, mais je dois avouer que dans 90% des cas, elle a raison. Ah, ça, c'est un vol. Ouais, ça, c'était un vrai vol. Ben oui, mais il te fait bien. J'essaie d'y mettre tout mon cœur, d'y croire. Je le fais avec beaucoup de passion, en me trompant, quelquefois, ou peut-être même souvent. En essayant de ne pas me tromper, en essayant de le faire avec le respect du public. Moi, j'aurais pris la vaisselle en plastique, j'aurais tout compris. C'est ça, c'est là que... Elle veut tellement que ça marche et que ça réussisse. Elle va travailler très fort pour que ça marche. Non, mais c'est parce qu'elle est laide pour être ça, puis sa côté. Elle sait que ça ne peut pas aller de cette façon-là. Et elle va se battre, elle va se battre, elle va se battre. Il ne peut pas être là. On a changé codage. Puis elle surveille les cadrans, je surveille les éclairages, je surveille le son, je surveille l'accessoire, le bon accessoire.
le costume, le maquillage, c'est pour ça que cette fille-là devrait faire de la réalisation. Moi, je voulais diriger. Je voulais travailler derrière la caméra. Diriger. Monter des spectacles, en faire des conceptions, les diriger, les écrire. Bon, pas bon, mauvais, mais créer de cette façon-là. Scapin, si tu pouvais trouver quelque invention, forger quelque machine pour me tirer de la peine où je suis, je croirais être redevable de plus que de la vie. À vous dire la vérité, il y a peu de choses qui me soient impossibles quand je m'en veux mêler. J'ai sans doute reçu du ciel un génie assez beau pour toutes les fabriques de ces gentillesses d'esprit. Le mouvement qu'elle a fait là, depuis 10 ans de passer à la mise en scène, ça veut dire que c'est une personne vivante qui n'a pas nécessairement envie de passer toute sa vie à faire la même chose. Et puis que quand elle a l'impression d'avoir fait un peu le tour d'un quartier, mettons, elle a envie de déménager puis d'aller voir ailleurs. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune, hein? Et n'avez pas dans votre temps fait des fredaines comme les autres, hein? Oh, je vous dis, moi, que vous avez été autrefois un bon compagnon parmi les femmes, hein? Que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussiez boum, hein? Tous les comiques sont des artistes très sérieux, je trouve scandaleux et épouvantable que des fois dans les mises en scène de Denise, on lui reproche d'où elle vient, qu'on lui dise pourquoi monte-t-elle du Molière, elle qui fut autrefois fille de club. Je trouve ça d'un mépris, je trouve ça scandaleux, je trouve ça terrible 40 ans plus tard qu'on le dise à quelqu'un qui n'est pas capable de monter du Molière parce qu'autrefois elle a chanté dans des clubs, voyons donc. Je ne sais pas si j'ai l'honneur d'être connu de vous. Non, monsieur. Je vous ai vu. Vous n'étiez pas plus grand que cela. Moi? Ouais. Vous étiez le plus bel enfant du monde. Et toutes les dames vous prenaient dans leurs bras pour vous baiser. Pour me baiser? Ouais. Souvent, à répétition, à un moment donné, je dis aux acteurs, bon, ben là, je me mets sur ma fille, là, je vais vous donner. Puis, des fois, je regarde les spectacles avec ce que j'imaginais son œil. Puis dit, ah oui, oh Seigneur, ça couperait ça, là. Ouais. Moi, je pense qu'elle a raison. Ses spectacles sont signés. C'est selon son instinct. Ça lui appartient. C'est du radium pur. On a trouvé. Oh! On a trouvé! On a trouvé! Dans les palmes de M. Schutz, quand Pierre et Marie Curie découvrent le radium, je pense que c'est elle qui était la plus heureuse. À chaque fois, quand on arrivait à ce moment-là de la pièce, elle pouvait pleurer. Il y a plus de ça! Ça, c'est magique, hein, trouver le radium. Des choses comme ça, je pense qu'elle, ça l'a fait vibrer énormément. Comme une enfant. C'est ça, c'est magnifique, ce côté-là. Ce soir et tous les autres soirs, quand je chante, je ne suis plus grosse, je ne suis plus laide, je ne suis plus la femme d'un vieillard. Je suis calme. Je suis la divine. Quand je fais une mise en scène, je suis plus là. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Je vis dedans, je suis avec. Mon Dieu, je me couche avec, je me réveille avec, je vais travailler avec jusqu'au soir de la première. Mais d'abord, je lis la pièce, puis je la relis, 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 puis je la relis. Puis je commence à faire ce que j'appelle ma mise en place d'abord, à placer mes acteurs qui ne sont pas dans les jambes les uns des autres, qui ne se passent pas trop devant les uns des autres. Pendant que je les vois évoluer, là, je change ma mise en scène. Tu y ressembles comme deux gouttes d'eau. Les mouvements changent, comme du ballet. J'aime que ce soit un ballet, comme un ballet, que ça bouge. Gracieusement, même en comédie, il faut que ce soit gracieux, il faut que ce soit joli, il ne faut pas que ce soit grotesque. Je sais toujours où je vais, j'ai toujours une idée où je vais. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon, mais je l'ai tout le temps, tout le temps, tout le temps dans ma tête, mon show. Il est fait. Quand elle est arrivée aux premières réunions de production pour demain matin, Montréal matin,
La première image qu'elle avait de demain matin, moi, le matin, c'était un palmier, puis elle se levait debout quand elle disait palmier, puis elle nous met le palmier, puis elle nous disait le palmier qu'elle voulait avoir, puis c'était très précis, puis elle a fini par avoir ses palmiers dans le tableau final. C'est qu'elle possède un instinct incroyable. Mais c'est pas d'abord dans l'analyse qu'elle travaille. C'est d'abord dans... à l'écoute. C'est pour ça qu'il faut arriver très préparé en répétition avec elle. Parce qu'il faut lui présenter quelque chose. Ma mère n'est pas une paresseuse. Elle n'accepte pas la paresse. Et quand les gens n'ont pas fait leur devoir, elle est très intransigeante. Elle est très dure. Va-t'en, t'es pas mieux que les autres! Mais je suis avec toi, Ernest! Je t'ai défendu! Va-t'en! Je veux te voir! Je veux plus voir personne! Laisse-moi tranquille! Quand elle veut t'expliquer que tu comprends pas ce qu'elle veut que tu fasses, puis que là, elle décide qu'elle te le fait, généralement, elle est assez comique. Ouais, je suis fatigante parce que je joue tous les personnages. Ça va plus vite. Je joue tous les personnages. Ben non, mais moi, je pense que je gérerais comme ça, puis c'est pas bien, d'ailleurs. Faut pas faire ça. Faut les laisser aller à ce qu'ils vont faire, eux, mais... moi, je trouve que ça va plus vite, puis on n'a pas assez de temps pour monter des spectacles. Puis souvent, ils aiment ça, ils disent « Ah, ben oui, tiens, je le vois plus. » Ou des fois, ils disent « Ah, ben non, moi, j'aime moins. » C'est comme tu le sens de l'intérieur, d'abord. Hein? Alors, si tu le sens de l'intérieur, il faut que tout ton corps soit avec ce que tu fais. Right? Donc, faut que tu... Elle sait tellement, non seulement le texte, mais les déplacements où chacun doit être tout le temps, un peu comme un chef d'orchestre, qu'elle peut pas s'empêcher de bouger, puis qu'elle peut pas s'empêcher de se choquer quand quelqu'un se trompe, mais c'est normal que quelqu'un se trompe, bien sûr. Elle aussi se trompe, sûrement, des fois. Mais elle est comme elle n'est pas capable de s'asseoir puis de regarder sa chose naître. Elle se sent obligée de le faire avec eux puis de se promener, ce qui est assez magnifique. Vous êtes sûr que c'est le bon passe, mon Dieu? Ça n'a pas de bon sens, sans doute. Elle a tout son show là, qu'elle a monté là, pour la rue Panel. C'est le metteur en scène le moins tranquille que je connaisse, en tout cas. Et toi, faut que tu t'aimes bien que vous autres, qu'est-ce que tu fais avec les deux là-bas, les petits gars? Vous partez tout le monde en l'hystérique. Elle dit, faut ce qu'on va t'aimer, après c'est mode. Je la vois beaucoup, beaucoup travailler sur le travailler l'acteur au corps, comme on dit, pour qu'il vienne à bout d'y donner ce qu'elle veut. Trop vite. Ah! C'est ça. OK. Deux temps. Non, il va pas avec des gants blancs. Fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ça. Où tu t'en vas? Comment tu parles? Ben, ôte-toi de là. Ça peut l'air vrai. C'est moi qui t'ai dit de faire ça. Fallait pas. Enchaîne. Trop long. C'est pas bon. Oublie ça. Fais pas ça. C'est pas bon. On recommence, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Quand elle a essayé 3-4 affaires, là. Maintenant, elle dit, t'es pourri. Elle va pas par derrière vous dire ce qu'elle pense. Elle vous le dit directement. Alors on va dire... Elle veut toujours plus. Toujours plus. Elle est exigeante. Mais là, cette exigence-là, face à elle-même aussi. C'est une inquiète. Elle veut tellement bien faire. Et qu'elle veut bien faire. Puis qu'il se passe de quoi? Puis que ça soit pas de la bullshit. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui prend par bullshit. Puis là, quand elle a ce qu'elle veut, là, remarque, elle est très contente et généreuse. Elle le démontre, par exemple, qu'elle est contente. Écoutez, ces enfants-là sont surdoués. Ils sont surdoués. Ils chantent et j'en parle, j'ai des frissons. Est-ce que je t'ai dit que le lien organisait un méchant gros concours? Oh, c'est trop long à venir. Mais c'est Ben Valère, mais elle est partie. Il faut toujours faire quelque chose. On reste pas là à rien faire. Denise n'est pas quelqu'un qui se promène, c'est quelqu'un qui va quelque part. Elle appartient à ces gens, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle bouge si vite. Elle sort toujours en retard quelque chose. Il faut qu'elle aide sa fille, il faut qu'elle prenne un café, il faut qu'elle lise tel livre. Elle est en retard tout le temps, donc elle se dépêche, tu vois. On s'en va manger, ça va être bon. Pendant qu'elle mange, on s'en va au cinéma, le film va être bon. Pendant qu'elle regarde le film, c'est bien long, ça va être bon. La prochaine chose va être bonne. Alors c'est quelqu'un qui est toujours... qui se dirige toujours vers quelque chose. Peut-être qu'à la place où elle est à ce moment-là, elle est passée vivante. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est ça, qu'il y a une espèce d'exigence de vie. On dirait que sa vie entière est un marathon. Je sais pas c'est le marathon de quoi, mais elle est dans un marathon, elle. Puis c'est grave, c'est important, ça va vite, puis son temps semble compter. C'est peut-être une question de curiosité, de vouloir toujours aller plus loin, puis connaître autre chose, puis une question de
pour vouloir être blasé trop vite non plus, parce que tu sais, j'en ai vu pas mal, rendu à mon âge, puis je vais toujours aller vers de nouveaux défis. Si j'avais une vie de couple, je serais peut-être portée à rester plus tranquille chez moi. Je ne l'ai pas, je vis seule. Alors, j'ai envie qu'il se passe des choses. Je me demande comment ce qu'elle fait à 65 ans pour courir comme ça tout le temps. Denise ne sera jamais assise dans une chaise à jaser avec Alice Robbie ou chez nous des artistes. Oubliez ça. Pauvre Alice. Oh non, Denise. C'est comme ça. Toute sa vie, ça a été comme ça. Ça va toujours être comme ça. Et pas tuable. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera jamais. À 100 ans, elle va nous enterrer. Je la vois difficilement complètement arrêtée. Même à 85 ans. Elle va sûrement avoir des projets. Et je dis toujours un jour, je vais monter Carmen. Puis je sais que j'espère que je vais pouvoir le faire. Je vais monter Carmen, mais qui se passerait dans les années 40, dans un club de nuit. Avec Céline Dion, quelqu'un d'autre, mais une Carmen pas mal flyée, j'aimerais ça.